Et bienvenue pour la rediffusion du Not So Berry. Nous sommes la nuit. Nous avons la Généo-Ange qui part bosser et notre Géné-Rose toujours dans une magnifique maison hein, qui roupille. Voilà. Donc, de toute façon, notre intérêt ne va que pour notre cher Chamallow puisque c'est lui qui a été élu héritier la semaine dernière. Le jeu l'a choisi. Il a été meilleur que sa sœur, donc c'est lui qui sera notre héritier pour la génération rose. Coucou YouTube, coucou maman. Oh, bichette. J'espère que ta maman va s'abonner sur YouTube et va liker les vidéos également et partager également la chaîne. Vous aussi, hein, sur YouTube. Vous le faites, hein. Je rigole. Bonsoir YouTube, la Malibellule de Médium. Malibellule. Mais en tant que je crois qu'il va la sortir la vidéo. J'irai voir après si elle est sortie. Bon, alors les autres ils bossent, hein, ils font leur life. Ah, mon bichet. Regardez-moi cet homme. Coucou les copains de YouTube. Enfin, cet homme, c'est un jeune homme encore. Mais alors, on est quoi? On est dimanche. Tu te lèves à 6h du matin dimanche, toi. Je me lève à 4-5. Je me couche à 4-5h, moi. Oh, c'est bien! Ma femelle de sœur te fait un petit déj, viens. Non, mais... Ouais, je suis pas sûre que j'ai envie de manger ce qu'elle est en train de faire. Augmentation pour notre petit copain. Oh, 10 simflouz de plus par heure, soit 326 simflouz. Eh ben... Assis-toi, hein. Ta sœur va te servir, t'inquiète. Oh là là, qu'est-ce qu'ils mettent comme temps. Voilà. Tu peux te servir. Ils sont cons, ces Sims. Ils sont à bouffer, mais ils bouffent pas. C'est vraiment stupide. Fais le ménage, toi. Toi, on va te garder en femme de ménage, si tu veux, Sakura. Coucou petit frère, oh, son mignon. Pourquoi moi c'est bichette et les Sims c'est biché, je suis jalouse. Oh merde. Je sais pas, c'est comme ça que ça vient tout seul. Ça vient tout seul, c'est selon. Mais non, mais les Sims c'est bichette aussi, tu vois. C'est juste que là c'est un garçon, même si je sais quand t'es qu'un garçon, mais tu peux être bichette aussi quand même. Les vrais gens ils peuvent être bichets et bichettes, sinon... Bah, tu me diras les Sims c'est pareil. Hein. J'ai cru que c'était l'émission de sport. Qu'est-ce qu'elle regarde? Regardez Super Enfant Catastrophe Cortex. D'accord. Bon mon biquet. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Divertissement, faut que tu te divertisses. Vas-y, va regarder la télé. Regarde donc la télé. Excusez-moi, j'ai un moucheron. Ah putain. Je suis pas sûre d'avoir réussi à le tuer. Je pense que vous avez un tremblement de terre, ouais. Il y a eu un tremblement de terre dans la cam. Toujours des moucherons de merde là qui se baladent. J'en ai ras-le-bol. Chamallow coule le nom. Bah oui, t'étais pas là à leur naissance. C'était il y a 2 semaines. Salut Odiri, comment tu vas? Mon biquet, ma biquette. Bah et alors? Mais pourquoi tu peux pas regarder le film? C'est ta conne de sœur, elle a pris la place dans le canapé. Voilà, on va la jarter. On va la tuer. Voilà. C'est Pokémon version évoluée, c'est ça? Ouais! Waouh, comment il marche vite! Dans une partie, j'avais Dashi. Et je l'ai plus, rends-moi Dashi. J'ai rien compris. 4 semaines de naissance. Ah, t'as été regardé. Je disais pour rire, hein, 2 semaines, mais ça me paraissait pas si près, hein, quand même. En même temps, ils sont adolescents, hein, pour l'instant. Donc. Ils grandissent dans 6 jours, Cham-Cham. Cham-Cham-Cham-Cham, allô. Comme on aurait dit dans les années 90, Oniri est dans la place tout baigne. Pourquoi Oniri spécialement? Pourquoi pas, je veux dire, mais...
Daishihi? Je plaisante. C'est, non, mais c'est pas Daishi que j'ai pas compris, c'est le reste. Je l'ai plus rend moi Daishi. Ah, tu avais parti, tu avais Daishi dans une de tes parties et il n'y est plus. Ah ben, s'il était en majordome, faut le virer. Le majordome qui l'a remplacé, t'auras peut-être une chance de le revoir. Alors, tu vas, on va écrire un livre de genre nouvelle. Allez, ah, oh, vous allez me faire des nouvelles, un titre de nouvelle comme avec Jade et dans le Legacy. Oh tiens, Lord and Lady qui est là. Grand conte pour petits adultes. Qu'est-ce que vous me proposez comme titre? Un truc qui a un rapport avec les couleurs ou notre Sobéry. Pas de la saucisse, hein, quand même. Charlie jaloux, c'est pour ça. Non, je... Juste pour... Enfin, pourquoi spécialement, tu vois? Mais c'est Ricardo, hein. Maintenant, je cherche plus à comprendre. Hein. J'ai l'habitude avec lui. Allez, la vie en rose, c'est pas mal. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. De titres pour toute sa carrière qu'il n'aura pas d'écrivain. Voilà, alors, on va faire un bilan déjà, un pré-bilan. Écriture niveau 3. Peinture, bon, de toute façon, la peinture, on s'en fout. Bien-être niveau 3 également. Sachant qu'il faut qu'on max écriture et bien-être. Pour l'instant, il est adolescent. Il va pouvoir écrire 2 livres. Vas-y, casse tout! Courjas, va! Viens me réparer ça! Pourquoi je suis toujours mauvaise avec un des enfants dans les Sims? Pourquoi il faut toujours que je sois mauvaise? Je ne sais pas pourquoi. Regardez-moi, c'est comment les gauler. Ouais, je suis jalouse en fait, c'est ça. Bah oui, c'est ça, Renéry, c'est juste, on sait pas pourquoi en fait, mais bon, c'est mal, c'est. Fais plus attention. Vite Sims en rose. Mais oui! C'est sympa! C'est un pot le rose, allez, on va accélérer un coup. Et toi, tu restes là à faire beau? Vas-y, essuie, femelle. Comment tu fais pour avoir des cartes postales? Eh ben... Mais vas-y, mais dégage! Laisse-le tranquille, bon sang. Plus tu le saoules en plus, regarde, il dit, tiens, tu gâches mon soleil. Mais ben, normalement, on devrait en avoir une. Ou pas. D'ailleurs, après, il ira voir s'il a eu des correspondants, discuter, consulter les réponses. En fait, il faut que tu ailles d'en discuter et trouver un correspondant, et après, t'as différents trucs, quoi. La place de la femme, c'est à la cuisine! Cuisine! Oh, tu peux parler, Martial. Allez, piquez. Il pêche. Pas que ça à foutre, nous. Oh, il va arriver déjà au niveau 4. Il va avoir fini son livre également. Son premier livre. Oui, Chamalo. Iha, j'ai un nouveau correspondant d'Appaloosa Plains. Ah, bah c'est bien ça, Biquette. Mort de rire, j'y suis justement. Je suis une vraie femme, visage content. Ah, pardon, dans la cuisine. J'avais pas compris. Dans ce cas-là, moi je peux dire que j'y suis aussi, hein, parce que bah, j'y suis tout le temps dans la cuisine. Moi. C'est une cuisine ouverte. Oh, des pâtes. Des pastas. Viens manger des pastas. T'as vu? Ta sœur, c'est ta femme d'intérieur. Elle te fait à bouffer. Incroyable. Ah, ça va être l'anniversaire de Copper, il va être vieux. Oh, bichon. Bon, t'iras manger, tout ça, et t'iras regarder la télé. Est-ce qu'il a fait ses devoirs? Non, tu vas faire ses devoirs. Voilà sa nouvelle. La vie en rose. Je vois la vie en rose. On a le droit de les publier, les bouquins?
Parce qu'après, on devient écrivain à temps plein, en fait. Donc, on va auto-publier. On va auto-publier chez Amazon. Allez! On va gagner ses premiers Simflouz. Pauvre sœur, Boukoua, ça va, hein? Elle n'a pas foutu dehors, hein? Ça va encore, elle a de la chance, hein? Salut, Jess, comment tu vas? Quoi, OMG, deux minutes de réflexion. Fais gaffe, là. Cuisine. Vous avez vu que les autres, je les laisse vivre. Hein. Ils font leur life. Hein. Ouais, parle-en à quelqu'un, à ton psy, peut-être, ouais. Parle-en à ton psy. Alors, cop-cop. Oh, cop-cop. Oh non. Oh, ça va faire mal. J'ai l'impression qu'il... Je le vois encore comme adolescent. Il va devenir vieux. C'est fou, hein. On a été tellement vite sur cette génération. Salut Nezuko, comment tu vas? Pourquoi? Non, mais t'inquiète, toi, viens. Salut Sino, comment tu vas? Elle est Copper varouillé, c'est ça. Ah, elle est bonne celle-là, Quentin. Une Copper varouillé. Shaolo passe par une phase. Il est rebelle et cesse de mettre l'autorité de ses parents à l'épreuve. Oh, bah, moi, je vais le mater, tu vas voir. D'où tu vas dormir déjà? T'as fait ce que je t'ai dit? T'as mis ton bouquin sur Amazon? Non. Il commence à m'emmerder déjà. C'est que le début. Hein. C'est moins pire que le Legacy, mais quand même. Tes devoirs. Tu fais tes devoirs. Tu recommences. Mais dis donc! Fais gaffe, hein! Tu lui fais les devoirs, hein? Non, mais aide-le avec ses devoirs, au pire! On va de l'emmerder, là. Oh, qui c'est qui a encore cassé un truc? À la télé! Ouais. Voilà, il est concentré! Oh là là, pauvre Cooper, la télé, elle est crassée! Allez, tu vas faire de la méditation un peu, parce que faut méditer dans ta vie. Voilà, biquette. Ah ben, t'es chiante avec ta nourriture, toi aussi. Après la rose, c'est la pêche. Après la pêche, c'est la verte. Et après la verte, c'est la bleue. Et après, c'est fini. On est vraiment pas loin de la fin, quoi. Chamelot, fais gaffe à ton cul, fais gaffe à te congeler. Bah, il est trop grand maintenant, ça sert à rien. Jusqu'à un certain âge, tu peux encore, mais après, c'est trop grand. Après, il faut trouver d'autres moyens. Ou alors, tu mets une partie au congélateur et une autre partie ailleurs. Peut-être dans le ciment. Si tu refais ton sol dans le garage, peut-être qu'il y a moyen, tu vois. Dans le béton, tout ça. Enfin, ça peut être pas mal. Deux jumeaux, ça va vite. De comment ça, deux jumeaux? Tu parles de eux, qui sont jumeaux. C'est sûr que avec, depuis Pulco, c'est la première fois qu'on a si peu d'enfants. Salut André Queen, comment tu vas? Vous vous souvenez de la semaine dernière, on avait respiré... Eh, va faire dodo, il est minuit, presque 1h du mat. Bon, sa sœur, elle se gère, hein. Elle fait le ménage. Cuisine. T'as la mère aussi. Ouais, mais non, parce que tu vois, le corps, il va se décomposer. Ça, si tu le laisses bien au large, à mon avis, ça va revenir sur la plage, tout ça. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Oui, j'ai regardé beaucoup de séries. Hein, policières, comme ça. À une époque. Ah là là. 2282. Eh ben, tu gagnes bien ta vie. C'est un bon parti. Hein. C'est un très très bon parti, le petit pulcote là. Eh, tu vas manger ça. Hop.
Il va y avoir du drame parce que j'ai demandé d'aller là. D'accord. Il y a des bestioles à sa fenêtre. Hein? Mais non, c'était une feuille. C'est des feuilles. Il a même pas le temps de pissouter. Oh. On va remettre une couche. Hein. Et elle avec ça. Non, quand même. Moi, j'ai pas de favorite. Parce que je suis pas fan de Disney, donc je m'en fous. Je m'en fiche. Le mieux, je crois, pour faire disparaître un corps, c'est de donner à manger au cochon. Il reste plus rien après. C'est marrant, j'ai vu une vidéo, genre hier, où, enfin bref, où quelqu'un disait qu'il avait donné... Enfin, c'est pas quelqu'un qui disait que... C'est qu'il y a eu des fortes probabilités qu'un corps avait été donné au cochon. Ouais, en ce moment, je regarde des vidéos un peu... En fait, c'est YouTuber Feldup. Je l'ai découvert il y a un moment. Et j'avais bouffé plein de ses vidéos. Il avait pas encore beaucoup d'abonnés. Hein, il avait 10 000 abonnés à l'époque. Je m'étais même hyper étonnée. Parce que je dis, putain, mais le mec, il fait des bonnes vidéos et tout. Franchement, c'est intéressant, c'est bien foutu. Il donne une ambiance et tout. Et je trouvais qu'il a pas beaucoup d'abonnés. Bon, maintenant, il a presque 300 000. C'est mérité. Mais du coup, je suis retombée sur des vidéos. Et j'en ai enchaîné plusieurs, là. Donc il y en a plein que j'avais pas vu parce que j'avais pas regardé depuis une bonne année, hein, facile. Hein. Une dame, donner les bébés, c'est horrible. Petroni est morte. Merde, mais non, Muscade, faut pas le dire. Il y en a, ils sont pas à jour. Et tu t'imagines que il y a des millions, on en a des millions encore qui n'ont pas encore regardé le challenge, donc ils ne sont absolument pas à jour non plus. C'est pas bien de spoil comme ça. Bon, est-ce que, sans spoil, est-ce que l'épisode du jour vous a plu quand même? On peut pas les pêcher, les carpes. J'ai même pas fait gaffe, il y avait des carpes koi dedans. On peut pas les pêcher. C'est juste pour le... Pour le bonheur de voir les carpes koi. C'est bien le seul poisson que j'arrive à reconnaître, les carpes koi. Les autres... Non, nul. Merci Martial, ça fait toujours plaisir. T'as pas encore vu, ok. Merci Céline, c'est gentil. Note améliorée, un gros contrôle a lieu demain en cours d'histoire. Chamallow s'en sort bien ces derniers temps, mais bon, un résultat améliorerait vraiment sa moyenne globale. Doit-il réviser autant que d'habitude, se surpasser et étudier le plus possible? Est-ce qu'on révise ou est-ce qu'on fait comme d'habitude? C'est vous qui dites. Et salut Toundra et salut Madame J. Comment vous allez bien? Bah vous avez pas l'air d'aimer tant que ça, hein, dis donc. La vache. Alors, sinon hier, tu es tenu jusqu'à quelle heure? Oula. Respectons tous la banderole qu'on regarde sans s'occuper des autres, sinon fessé. Alors, on fait comme d'hab, on révise. C'est comme aller au Burger King pour parler de McDonald's, quoi. Un exemple comme un autre. Ouais, sauf que Burger King, c'est beaucoup mieux, quand même. C'est comme moi, je suis beaucoup mieux. La connasse. Oula, Madame J, tu m'as fait peur, je sais pour quoi elle me parle. Bah non, enfin... Oh, tu sais, moi, au niveau des ragnagnas, j'ai eu des hauts et des bas. Hein. dès que j'ai du stress, ça... Ouh, ça part en vrille, hein, ça fait n'importe quoi. Mais bon. Mes petits, tu parles des machins là? Bah voilà, Bah l'autre, il est devant le chauffage, il dort, quoi. Bon, vous m'avez dit comme d'hab, allez on fait comme d'hab, parce que personne ne suit. La vie en rose 7 simflouze, Chamallow parcourt rapidement les cours, gain de performance, mais oui Charlie, des grains de performance, t'as raison. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il a une note un peu de chiotte hein, au niveau des cours. Il a des notes de merde, le pauvre gosse. Allez, 1183 simflouze.
Alors, toi, vu que t'es là, tu vas payer les factures. Cuisine! Performance n'est vraiment pas terrible. Bon, tu vas te faire des amis. Parce que, ben, il faut quand même qu'on pense à te caser un de ces jours, quoi. Louise! Louise, ah oui, on peut pas, putain, pardon. Oh, Marc! Alors, c'est dans ma série, hein, c'est avec Iowa où les aliens, ils aiment bien s'habiller avec les CC du Lord and Lady. Et ben ici, c'est pareil, hein, il a grandi, il est devenu un alien qui est habillé au Lord and Lady. C'est complètement normal. Je vois bien. Alors, il a rencontré Chloé. Oh, elle a pas l'air mal, celle-là. Elle a pas l'air mal, Axel. Non. Et puis elle s'appelle Robert. Il y a mieux quand même. Mais il y en avait une, elle est partie. Elle a pâti. Jean-Eudes. Jean-Eudes Fougère. Ah bah alors ça. Jean-Eudes Fougère. Ça, c'est du nom de famille quand même. Le pauvre. Il a dû s'en prendre plein la gueule en s'appelant comme ça. Elle va prendre une douche. Parce que là, tu pues. Ouvrir. Allez, une petite portion du cake aux fruits que papa avait fait. J'étais en train de clipper. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as fait encore? Je suis d'accord avec toi. Tu restes pour Shirley. Bah, non, bah, c'est le respect se perd de nos jours. C'est la tienne, Chloé? Ouais, j'en ai installé. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc j'ai installé les derniers. Il y avait deux ou trois foyers. Mais pas beaucoup de monde m'en a fait. Tant pis, hein, si vous n'êtes pas sélectionné, c'est tant pis pour vous. Cucu tout le monde. Je reviens des courses. J'espère que vous allez tous bien. Ça va, Alex? Tranquille. Tranquille, Émile. Qu'est-ce qu'il a, mon Jean-Eudes? Non, mais j'ai rien, c'est le nom. Il y a moyen que peut-être Sakura, elle s'accouple avec. Sakura, ça couple. Sakura, ça couple. On va l'appeler. Il faudra bien la faire dégager de chez nous, un de ces jours. Hein. Donc on va voir à quoi il ressemble. Quand même de plus près. Parce qu'il y a un truc, c'est. Oui, Nick, j'en En fait, tu as mis ma famille, tu as dit que tu devais les mettre. Je pose la question, savoir si on a. Ouh, je sais. Alors, je sais plus. Oui, sinon, sûrement, mais on n'est pas sûr, on n'est pas à parler de ça, en fait, maintenant. Mais de toute façon, il n'est pas sorti le jeu, donc m'étonnerait que je le fasse maintenant. Après, ça dépend. J'ai eu peur. C'est Dex qui est en train de manger sa pâtée. Qui boude depuis tout à l'heure. Regardez. Il la mange au final. Oh là là! C'est comme ça que tu comptes draguer, toi? En plus, tu pues la mort. Va prendre une douche en buée, ben, ça te changera les idées. Ah bah bon, d'accord, bah alors lui, tranquille Emile. Putain, alors c'est un adolescent, mais il a l'air d'avoir 45 ans, le mec, avec sa moustache et sa barbiche. Mais bon, tout est normal. Ou alors, il a vraiment 45 ans et c'est juste un vieux pervers qui a envie de se taper des binettes. On ne sait pas encore. Mais non, mais il est ado ou pas? Ah ouais, oui, il est ado. C'est bizarre quand même, hein. Il fait vieux, hein! Il fait vieux, ton mec, hein! Alors, un sondage pour Monsieur Quentin. J'ai pas ouvert le tableau de bord. Tac. Ah non, je me suis trompée. Tableau de bord. Heureusement que j'ai cliqué, c'était pas le.
Tu m'as pas mis les réponses, hein, donc moi je mets ce que je veux. Qu'est-ce que je pourrais mettre en dernière réponse? Ouais, non, je reste classique. Vous m'avez saoulé, donc je reste classique. Alors, vous avez 3 minutes pour voter au sondage de Cantinoute. Ah, déjà trop d'action. C'est vrai que c'est compliqué, la vie. Biquet, t'as été chercher ton courrier? Prendre le courrier. Pour peu qu'on ait des cartes postales. Après, tu pourras refaire... Trouver un correspondant. Attendez. Demander une carte postale. Ah mais Copper, viens pas m'emmerder. Copper, il est vieux, ça y est. Ah bah vas-y. Tu vas demander les cartes postales. Je pense que du coup, on n'en a pas du tout. Parce qu'il fallait demander les cartes postales. Elodie a envoyé un cadeau à Copper. Chantal aussi. Et Chamallow a tout pris le courrier. Ah bah dis donc, ils vont être... Ah bah... Ils vont être contents avec des cadeaux comme ça. Oh, Copper! Il est tout vieux! Il est tout vieux! Il est tout vieux, pas beau qui pue! Ah non, j'aurais dû mettre Prout, c'est vrai. Il fait vieux, c'est ce qu'on aime. Quelle horreur! Ah bah ça, il a perdu sa superbe hein, et sa belle couleur orange dans les cheveux. Hein. Oh Biquet, regardez comment il marche. Mais il était si jeune, il y a encore 2 minutes. C'était un adolescent. Autosuffisance a reçu... Oh non mais j'en... Hey. Je l'ai fait quand même, enlever les votes des PNJ. Vas-y, évacue le stress là. Embête-le. Quoique non. Je pense pas que ça va... Ça se passera bien. Tu vas chanter une chanson du jour férié. Discute de son intérêt. Va. Raconte une histoire drôle. Des théos, des couleurs. Qu'est-ce que t'as dit comme connerie encore? Pas the Lord. Oh, c'est tristesse. Bon, il a toujours très bon appétit par contre, hein, ça, on va pas lui enlever. Oh, cop cop. T'es tout vieux qui pue maintenant. C'est un tout vieux qui pue. Ah, je me dis que bientôt je vais devoir faire le portrait encore de Chamallow. Alors qu'on vient à peine de le voir naître. C'est incroyable. Regardez, il était si beau, Cop Cop. Ben voilà, ça ne l'est plus. Ah, quel bel arbre. T'es beau, hein. C'est beau. Hein. Tu veux, à la fin, je pense qu'elle voudrait bouffer de la saucisse, mais elle est pas sûre encore. Et comment s'est passée la journée, mon coco? Mon cocolito? On discute avec lui. Biquet, après tu feras ton... Tu feras ça. Ah, c'est vrai qu'il faut qu'on commence son jardin, là. Putain, il n'y a pas de place dans cette baraque. Bon, tu feras ça chez ta sœur, on s'en fout. Elle le fera pas, on s'en fiche. On n'a pas son éducation à faire. Ça va, mon bébé? Salut, Lady Kill Alice, pardon. Oula, j'ai du mal. Comment vas-tu? Copper a rouillé, il faut que se disloque. Oui, bien sûr. Ah, Lila. Lila, elle est belle. J'ai tous les packs, Lady. Tout. Eh, c'est Cyrano de Bergerac? Vous avez vu le nez qu'il a? Mais non, merde. Je me suis trompette.
C'est elle. Vas-y, évacue le stress là. T'es chiante. Comment veux-tu le séduire, hein, si tu sais pas aligner deux mots sans être stressé là. Tu vas flirter après. On va demander à papa de l'aide pour le projet, ça ira plus vite. Voilà. Oh, regardez-moi ça, il était si mignon. Maintenant, il a un vieux cul flasque dans ce pyjama, c'est tristesse quand même. Ouais, voilà, il est vieux, il est bloqué par un bout de carton quand même. C'est plus ce que c'était, hein. C'est triste, hein, la vie. Hein. Et salut Marine, comment vas-tu? Et ça triquite les Sims qu'on fait? Bah ouais. Ouais, parce que t'as triquité. Tu m'as triquité, moi. Ah! Attends. Viens là, Jacqueline! Qu'on te regarde de plus près. Est-ce que tu vaux le coup? Un petit peu long, mais ça va. Ouais, ça passe, hein. C'est pas... Voilà, hein, le plus beau, mais ça passe. Bon, par contre, ce qui passe, c'est la mûre, quand même, hein. C'est la mûre. Tu vas faire un tour de main avec la poignée de vin vibrante, ça va peut-être vous donner des idées pour la suite. Oh là 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 là, c'est chaud cacahuète. On va l'avoir casé, comme ça on sera tranquille. Hein. On pourra faire autre chose. Elle c'est bon, allez. Après elle fera sa vie si elle veut, mais en attendant on va la caser avec lui quoi. Oui ça va Marine. Ah il a de beaux yeux, ouais. Bon, il a juste l'air d'avoir 40 ans, quoi, mais ça, c'est autre chose. Marcia, il a fait exprès de faire des cheveux longs. D'ailleurs, Chamallow n'a pas encore de prétendante, non. Ben, à part la meuf, là, dans son carnet d'adresse, qui avait pas l'air mal. Chloé. Faudrait qu'on voit à quoi elle ressemble de plus près, les autres. Ouais, elle a pas l'air moche, elle a pas l'air bien. Et elle, on l'a déjà vue, bof. Et après, c'est la famille. Oh, il y a Marina. Ouais, Marina. Comme ça, elle me donne pas envie, hein. T'arrêtes de dévaliser le frigal? Et elle traîne en petite culotte dans les chiottes comme ça, tranquille. Elle aussi, elle va devenir vieille. Ah, ce beau cul dans cette petite culotte là, ça va faire mal. Ça va faire mal. Tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi. Et j'espère que c'est réciproque. Agent 21, QQ tout le monde, agent 21, saucisse. Et salut Paulinette, comment tu vas? Ça va, hein? Ça te donne des idées. Eh, homme qui rit, homme à moitié dans la baguette. Hein. Ah oui, le qui rit. Non, c'est pas ça. Oh là 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 là, ça sent jolle, oh là là là. Ça sent jolle, dis-moi, c'est très chaud tout ça. Ah, ah. Le petit loulou là. Moumoun! Ah là, il a terminé son projet scolaire. Ils sont contents. Ouais. Je suis pas sûre qu'elle vienne, hein. Il est tard là, mon coco. Hein. Ah si, elle va quand même venir. On va pouvoir voir. Mais tu mets ça dans ta. Oh là là! T'es dissident, mon petit. Hein. Ouais! Vous avez raison, rentrez, hein. C'est pas comme si. Vous aviez besoin de moi? Bon, tu vas l'emballer, lui, emballer.
embrasser le cou et embrasser les c... Oui. Premier baiser, échanger, alors que tu viens de le rencontrer et... Allez, la sister, elle est déjà casée. Ah, Jean-Eudes. Petite amie, allez, direct. Et se bécouter dans la douche, évidemment. Comment va la petite, là? Des beaux yeux verts. Oui. Attendez. Comment vous la trouvez? Ouais, moi, les sourcils sont trop épilés à mon goût. Non, pas encore, Elisa. On a encore un peu de temps, hein. C'est pas tout de suite, tout de suite. De toute façon, il peut rien faire avec son zizi pour l'instant. Il peut rien faire avec son zizi. Je dis ta connerie, quand même. Alors, on va faire de l'amical avant. Faut oublier que c'est l'avenir, hein. C'est l'avenir du Notre Sobéry qui se joue. Hein. Vielle, allez, Vielle. Et des beaux nichons, bah bravo. Bah, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Nez trop fin. Elle est trop belle. J'aurais dit que l'héritier est le frère. Tout à fait, Paulinette. Paulinette, tu n'as pas suivi. Salut, Swag de Poulette. Wesh, quel pseudo incroyable. Mais salut, Amanganis, comment tu vas? Ah, par contre, j'avais pas vu. Il faut qu'il bouffe, le pauvre. Il va manger du pain au fromage. Le petit cœur, il va au passage. La 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 la. Alors, tu vas pas te disputer. Hein. Conversation profonde. Oui, les sourcils, je les refais, évidemment. C'est un peu trop épilé. Oh, j'avais pas vu les ordures. On va prospecter. Il va faire connaissance avec le bétail de son école. Avec le bétail de son école. Ah, par contre, le menton peut-être un peu trop en avant. Vous connaissez ma... Entre les arêtes nasales et les mentons. Ouais, il faudra retoucher le menton. Et lui, il a les yeux bleu clair, il me semble, hein, ouais. Mais avec son rose, là, avec ses cheveux roses, ça ressort de ouf, en fait. Par contre, elle papote, hein. C'est une sacrée pipelette, cette fille. Avec les fêtes et tout, déborder la gonzesse, honte à moi. Ah oui, non, c'est vrai. Excuse-moi, non, c'est moi. Moi, je dirais que comme je fais rien d'intéressant de ma vie... Moi, je suis là tous mes lives, donc c'est... en fait, c'est ça. Bon, bah écoute, il va se coucher. Ils sont encore en train de regarder ça? Il va dormir. Hein. En même temps, il a raison. Il faut bien se coucher. À un moment donné, il est 1h du matin. Tiens, d'ailleurs, il n'y a jamais eu de coupe mixte avec un héritier dans ton challenge, il me semble. De couple mixte? Ça pourrait être un challenge dans un challenge de prendre une femme... Avec une couleur de peau différente. Si, si, il y a eu... non, pas Ross. Adonis. Lila et Adonis. T'arrives à oublier ce que tu fais pendant tes lives. Oui. Alors, tu vas utiliser des CC pour la génération pêche? Non, j'ai pas envie d'utiliser des CC. Ah oui, je suis là, mais tous mes lives, moi. J'en loupe aucun. Moi, je suis une assidue. C'est vrai, hein. Prouve-moi le contraire. Ah là là. Salut Guillaume, comment vas-tu? Tu ne m'as pas connu, zut. Ben la génération, du coup... Attendez, non, c'était Nuage et Adonis, c'était pas Lila. C'est donc le père de Lila qui est métisse. Après, il est métisse, il est pas complètement... Voilà, il a une couleur de peau un peu. Mais ça n'a pas
trop transmis sur Lila, parce que Lila, elle était... ouais. Les autres... Non, il n'y a que Adonis, parce qu'il était très très beau. Et je me suis dit, justement, ça pourrait donner une couleur de peau un peu plus bronzée, et au final, ça n'a pas vraiment pris, quoi. Quand tu fais pipi. Comment? 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 Déjà une heure? Oh là 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 là. On va le laisser dormir un peu. S'il va, il faut que... Ouais, non, bah non, il faut qu'il mange et qu'il se divertisse, Biquette. Oui, Biquette! Oui, bah alors, moi j'ai une droite des amis comme... Mes chats, j'allais dire. Mes films. Allez, qu'est-ce qu'il est fin? Ah, c'est un truc de fou, regardez, il est taillé comme un cure-dent, le mec. Taillé comme un cure-dent. Bon, regardez la télé, c'est trop... C'est trop compliqué. Non. Va en cours. Mais elle, je la gère même pas. Mais toi... Oh, tu m'énerves. Allez, vas-y, va en cours. Et lui, il dort dans le canapé alors qu'il a un lit. Tout va bien, c'est normal. Oh là là, le vieux... Bah, elle va bientôt devenir vieille. Oh, en ce moment, je rate tous les anniversaires, donc je suis pas assez après. Hein. C'est pas grave, après tout. Si je loupe un anniversaire, c'est pas comme si... Tu n'es pas là à tes lives quand tu fais pipi, je crois que je ne décale avec le live, du coup je réponds en retard. Ah! Bah si! Mais c'est la pause, donc je vais pisser. Enfin, tu fais présente physiquement mais pas mentalement, bah c'est gentil ça. Dommage que le mec ait gagné, la fille est tellement plus belle. Oh, mais la fille, elle a eu un petit coup de bistouri quand même, hein. Oh là là, et ça part en vrille, le couple, là, les vieux, là. Enfin, les vieux. Et 89 jours, il a Copper. On dirait pas. Oh, la réputation atroce. J'adore. Il est encore vivant, lui? Même dans la mort, il continue à nous harceler, cette nounou, là. Va dormir, Copper. Allez, je t'aide à y aller, parce que t'as pas l'air décidé. Il veut faire quoi avec son fils? Être drôle avec Cham Cham. Cham 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 Cham, allô. Ah, le fameux... Attendez, lui, dans notre sauverie, on a... Non, je veux dire, c'est le mari de Ninon, mais non, parce que c'est dans le Legacy, ça. Moi, je sais plus, hein. Non. Je veux dire, c'est qui, déjà, le type qui avait tapé dans le gâteau, là, qui doit mourir dans notre souffrance, également? Sakura a rencontré Marina. Attends, mieux. Oula! Ils sont tous shootés, hein. Oh, la vache. Mais elle aussi, c'est prix de beauté incroyable. Hein. Ah, dirais-moi le matin, quand j'arrive pas à ouvrir les yeux. Oh my god. Elle est comment cette maison? C'est James qui l'a faite. Vous savez, celui qui crée toutes les tendances sur YouTube et que tout le monde copie. Bah, je peux même plus visiter les maisons. Je suis tristesse. Moi, je suis tristesse. Voilà. Avant, ça marchait, ça ne marche plus. C'est un beau terrain, ça. Il fait combien? Il fait un 50-50 pour y aller, pour le Legacy. Prochaine génération. Bon, c'est l'automne, hein, l'hiver approche. Montant, l'hiver éclate que l'hétéroclite. C'est habituel, le page d'Ali. Ouais, je commence à louper tout. Les vieux cimetières. Oh là là. J'ai loupé un vous, j'étais en train de faire à manger. C'est pas grave, c'est pas grave. Frappe à la porte.
Je me suis coupée en le rasant. Je suis en train de perdre tout mon sang. Mais tu t'es rasé la barbe, Elisa? Je n'aurais pas pensé de ça de toi. Regardez les ombres. Alors, Chamallow a rencontré Hugo. Sakura a rencontré Marc. Oui, mais alors, Marc, on n'en veut pas. Hein. Vu le machin, on n'en veut pas. Oula, par contre, divertissement. Oh, vas-y, regarde la télé. Mais c'est toi aussi, t'as pas voulu. Deux fois, je t'ai demandé de regarder. Recommence. Qu'est-ce que t'as? Casse-couille, hein? Non, on va pas à l'université. Il regarde pas. En même temps, si tu regardes de la merde à la télé, moi j'y peux rien. En vrai. Les jambes. Ah! On sait pas, hein. Tu peux avoir de la barbe aussi, hein. Pourquoi ça sert? Mais te rase pas les jambes, te fais pas ce mal-là. Hein. C'est pas grave si t'as des poils aux pattes. Ça tient chaud l'hiver. Ah ouais, allez hop. On va prendre une douche tonifiante, allez. Par contre, il est fatigué. I don't understand why, but ok. Mais... Et c'est une foutue blague, hein. Copper, tu t'es chiant aussi, toi. Ah, je vous jure. Consultez les réponses. Mais il fait pas du tout ce que je lui demande jusqu'au bout, en fait. Écrire une lettre à Palooza. J'ai un nouveau correspondant originaire de Sunset Valley. Je me souviens quand tout le monde vivait là-bas, le temps a changé. Et niveau 4 d'écriture. Ah, même quand il fait ça, il continue à y envoyer une lettre à Sunset Valley. Est-ce qu'on a reçu du courrier aujourd'hui? Ah, vas-y, prends le courrier. Ça y est. Oh, on a déjà deux cartes postales. Twin Brook et Appaloosa Plains. Eh ouais, ça a marché. On est trop fort. Ta-ta-ti-ta-ta-ta-ton. La-la-la-la-la-l'air-eux. Eh, tu vas écrire un livre de genre poésie. Avez-vous à me proposer comme titre de poésie? Poésie. Prends chalumeau la prochaine fois. Ça me gêne quand je vais chez le kiné. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. I understand. Je pensais que c'était par rapport au Nouvel An, c'est pour ça que j'ai dit ça. Oui, oui. Oui. Comment j'ai fait quoi? N'hésitez pas, si vous avez de l'imagination, proposez des dons de livres. Nos cires, j'adore. J'adore. Prose en rose. J'aime beaucoup. C'est rigolax en plus. Jojo. Et GG. Pour les cartes postales? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vas dans en discuter. Et t'as un onglet, en fait, trouver un correspondant. Donc tu fais ça, après tu retournes un peu plus tard pour voir si t'as un correspondant, tu lui envoies une lettre, ou deux, machin, et après tu peux débloquer le fait de demander une... Tu vois, t'as écrire une lettre, voilà, et après tu as demandé une carte postale. Donc là il va écrire une lettre, je vais attendre un peu avant de... Mais pourquoi tu fais ça toi en fait? Je t'ai pas demandé, hein, je t'ai rien demandé d'ailleurs. Mais va bouffer, elle est con, elle. Et Sims, tu les gères pas, ils font n'importe quoi. Mais bon, on le savait déjà. On le savait déjà, mais... Voilà. Moi, il n'y a que Chamallow, je suis concentrée. Mais je t'ai dit de bouffer, en fait. Mais pourquoi ils retiennent qu'un seul truc que je leur demande de faire? Je comprends pas. Je leur donne deux trucs à faire et ils en éliminent un à chaque fois. C'est un nouveau bug? À tout de Guillaume. Je sais pas, ça doit être un nouveau truc. Oui, bah c'est bon. Tu
À manger aussi. Dis ça à ton père, c'est à cause de lui, hein, que tu manges pas des trucs comme il faut. Avec sa pâtisserie, là. Voilà. Donc là, il a refait un correspondant. Donc ça, c'est quand tu t'es... C'est pas... On va pas... Faut pas faire tout de suite, mais... Là, ils discutent. C'est vrai que c'est un truc qu'on fait jamais, en fait, le truc de correspondant et tout. Et tu vas réécrire une lettre à Sunset Valley, tiens. T'as quoi dans tes graines, là? Les légumes. Je me souviens plus, il va falloir qu'on plante un peu tout ça parce que ben on va avoir besoin de lui faire un truc parfait là. Un petit jardin parfait, on va commencer, allez. Je vais prendre les bacs, pas au lieu de mettre directement dans la terre, je vais prendre les bacs. Ça. On va lui en mettre deux. Bon, on n'a pas envie d'en mettre 40. Ça. On va le mettre là. Voilà, c'est déjà bien. Sachant qu'il faut en mettre plein, donc bon. Alors, on va mettre une tulipe. Une tomate. Alors, légumes ici. Banane, ben ouais, ça prend toute la place, donc pas trop. Pomme aussi. Et lui, il aura ouvert. Bon, il a pas encore ouvert son truc. On verra. C'est pas grave, au pire. J'aurais besoin de 10 kilos en commande. Hein? Faut faire un toit. Faire un toit pourquoi? Champion? Quoi? J'ai rien compris. Des bisous à Paulinette Bonapartout. Je n'ai point compris de quoi vous parlez. Un toit pour faire quoi? Mais non, mais je m'en fous d'avoir... C'est pas grave. On s'en fout. Mais disons, chamallow, là, c'est vrai que... Alors, enfin. Épinards. Racines de taro, carottes. Super. Bah, c'est bien, ce sera dans le bac à légumes. Voilà. Racines de taro, non. C'est pas racines de taré, c'est racines de taro. Et carottes. Parfait. C'est quoi, tu iras me planter tout ça, mon coco? Tu as commencé le jardinage. Oh, le petit bonnet de Noël, j'avais oublié. J'avais oublié le petit bonnet de Noël, trop choupi. Il est maigre, il a pas de cul. Bah écoute, il est ado, hein, ça va venir après. Hein. C'est vrai qu'il est... Mais il est taillé comme un cure-dent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bah, je t'ai donné, mon loulou. Bah oui. Bah oui, ma moumoune. Dès qu'il réclame à manger. Ah, il est beaucoup trop mal à l'aise pour faire cela. Ah oui. C'est vrai que arroser des plantes, faut être en pleine forme pour le faire, sinon. Faut que tu prennes Lucie Trou et aide bien pour augmenter la compétence jardinage et donne des graines. Ouais, peut-être. C'est vrai que je l'ai jamais fait utiliser ce truc-là. Je l'ai jamais utilisé. C'est marrant ce que tu regardes, mon vieux. Je regarde le sport. Ça t'éclate, le sport? Ouais, content. Enfin, pas très content tout le temps non plus. Et machiavélique aussi. Ils font leur life, hein, de toute façon. Cham, 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 chamallow. J'adore son chapeau. Chapeau de Noël. Bah oui, quand on les a relookés la semaine dernière, bah on était juste avant Noël. Maintenant, Noël, c'est loin, tu vois. C'était la semaine dernière. Oh, c'est loin. Maman? Maman, Lulu? Tu viens? Tu veux te montrer à la cam? Ça me fera des vues en plus. C'est les chats, hein. Ça fait forcément de la vue en plus. Mais sa sœur a le chapeau rose également, de Noël.
Bon, bah c'est bien, il aura pas arrosé en vrai. C'est cool. Il aura pas arrosé le jardin, ça pousse tout seul et ça s'arrose tout seul. Par contre, cette semaine, je ne l'ai pas vu passer, c'est un truc de dingue. Bah c'était un peu ça, hein. C'était Noël il y a 2 jours. Non, c'est vrai. Non, et c'est vrai, on est déjà presque. Enfin, on est à la fin de l'année, quoi. Bon, sur YouTube, ça y est, on vous aurez passé le cap. Mais là, nous, on n'y est pas encore. Mais moi, ça me paraît dingue de qu'on y soit, en fait. Non. C'est fou. J'ai vu la pluie pour le jardin. Bah oui, mais comme ça. Tu vois, il était tellement mal à l'aise que la pluie l'a aidé. Maintenant, ça. Automne et printemps. Été et automne. Été et printemps. Été. Hiver. Bah, il y a un peu de tout, donc il aura toujours une plante à s'occuper. Attends, est-ce que ta mère, elle est dans la salle de bain? Viens, viens pisser là. Oh, elle est chiante aussi, elle squatte de ses enfants. Oh putain. Ah, oh, quel bien ça fait. Va prendre une douche tonifiante, bichon. Bicon. Oh là là, y a tout qui est cassé. Bon, bah, il aura pas le temps de bouffer. Tant pis. Tu mangeras à l'école, tu iras à la. Comment ça s'appelle? Ah, la journée sans eau. Bah oui, j'adore ça. Il ira à la cantine. Ah, j'ai un petit loulou. Viens, mon chéri. Voilà. Tu viens dire bonjour, mon bébé. Bonjour tout le monde. Bonjour YouTube. Dis bonjour à YouTube. Bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. Oh, qu'est-ce que tu es mignon, mon amour. Bonjour YouTube et bonjour Twitch. Hein? Mon petit loulou. T'as pas beaucoup de place là, mon cœur, hein? Hein? Maman, elle a un gros ventre en plus, hein. La fête des récoltes, ça faisait longtemps. Vous allez me dire, ça faisait une génération, quoi. Enfin, une saison Sims. Mais en vrai, dernière fois qu'on a eu la fête des récoltes, je me souviens même pas. Parce qu'en fait, vu que j'ai à 2 semaines, donc 2 saisons, 28 jours, 56 jours, bah lui, il en a 89. Donc si, il était déjà né, en fait. Ok. Non, on veut rien donner. D'accord, et elle se met à faire du yoga. Pourquoi pas? C'est elle qui gère, hein? J'ai cru qu'elle allait se prendre. qu'elle allait se prendre la foudre sur le coin de la tronche. Elle aurait moins rigolé, celle-ci. Coucou Dexou, oh vous êtes mignon. Je n'aime pas cette fête. Ah mais moi de toute façon je laisse faire si tu veux. Et ça les gnomes je m'en occupe pas. Comme ça en fait il n'y a pas de problème. Je m'en fiche. C'est le Thanksgiving version Sims tu vois. Et bim les clins. Encore? Et viens. Oh là là, regardez ça. Coucou. Pourquoi tu squattes maman aujourd'hui? Hein? Parce que là, je suis sûre que t'as faim. Et donc tu viens dire, bon maman, fais attention à moi. Parce que là, il vient sur moi. Regardez, coucou. Oh là, il n'y a pas beaucoup de place, mais oui. Parce que j'ai rapproché mon fauteuil du bureau, donc il n'y a pas beaucoup de place pour lui. Mais ça va, t'es pas épais non plus, hein, Moumou. Il dit bonjour. Coucou. Oh non. Bébé. Bon bah pendant ce temps-là, hein, qu'est-ce que tu fais toi? Rends-toi utile un peu. Ah bah oui! Et alors, et lui il fait quoi? Bah lui il s'assoit. C'est intéressant hein, la vie des Sims. Ils ont tout pété!
Tout cassé. Alors, plus de choix, remplacer. Allez, voilà. Bah, Moumou, tu veux grimper sur le bural? Hop là, est parti. Tu vas faire du yoga aussi? Ah bah voilà. Ouais, en Moschino, hein. Ah bah, il a le sens des priorités, hein. Le style avant tout, hein. Voilà, et les enfants sont rentrés de l'école. Superbe. Alors, mon petit, il y avait du chili dans le frigo, donc tu vas pouvoir te le prendre pour toi. Végétarien, ouais, bon bah. Ça passe, hein. Tu vas regarder la téloche en même temps si tu y arrives. S'il y arrive, on sait pas trop. Je suis hors linge. Ah, je suis pas dans le linge. Un plumeau. Eh ben, je vais dire début du live pour les objectifs. Il faut. Alors voilà, on va remettre. Tac. Compléter la collection de cartes postales, maximum dans la compétence écriture et bien-être, avoir un jardin bien entretenu, compléter l'aspiration auteur de best-seller et quitter son job une fois adulte pour pouvoir poursuivre son rêve d'écrire des livres. Oui mon chéri, viens encore. T'es pas du tout relou un petit peu toi aujourd'hui. Hop là, il est revenu. Coucou, plumeau à poil, hein, mon amour. Oh, j'ai trouvé un petit câlin, hein. Mon bébé. Mon petit moumoun. Mais regarde un peu la chaîne. Divertis-toi, mon petit. Oui, mon doudou. Mais je te donnerai à manger après. Hein. Sachant que t'as déjà à manger. Hein, mais bon. T'as pas envie de taper dedans. Je connais. Hein, je te connais maintenant. Hein. T'es mon fils. Hein. Et mon petit garçon. Avec sa peau de poulet, là. Hop là. Trop mignon. Mon amour, t'es beau comme tout. Ouais, oui, c'est mon fils. Écoutez, hein. Tu me ferais presque envie, Marie. Bien sûr, avec ta bouffe, hein. Quand même. Soyons raisonnables. Vas-y, gratte, mon loulou. Tu préfères quand c'est maman qui gratte? Ah, si, il préfère que sa maman qui gratte. Maman, elle gratte mieux, hein. Ah oh, oui. Maman, elle gratte mieux. Hein? Hein? Tu veux gratter où? Oh! Pardon. Excusez-moi. Tu veux quoi? Hein? Là, il va repartir et puis il va revenir dans 2 minutes. Youp là, il n'y en a plus. Mais ne vous inquiétez pas, il va revenir. Il fait que ça. Ah mais elle est mortified, quoi. Elle a rien qui va. Va te détendre le slip devant... Bon, ça changera pas grand-chose, mais... Et toi, bah mon biquet, tu vas utiliser toilette. Je sais pas si t'as fini... Il avait pas fini son bouquin. Tu vas donc écrire... Bah, il veut pas. Évidemment. Évidemment. Discuter, consulter les réponses. Toi, après, tu feras le ménage. Et qu'ils servent un peu. Oh, mais c'est vraiment relou, par contre, quand il y a de l'orage, qu'ils soient tous tendus. Enfin, moi, je suis pas tendu quand il y a de l'orage, hein, franchement... Je connais personne qui soit tendu quand il y a de l'orage. Hein. Parce que là, il va pas pouvoir écrire, parce qu'en plus, c'est sale, nanani. Chic! On dirait que j'ai un nouveau correspondant à Bridgeport. Ouais! Trop bien. Tu vas écrire une lettre à Bridgeport. Et est-ce que tu vas aussi... demander une carte postale... Attendez, écrire une lettre à Sunset Valley. Doudou, il s'est mis sur un carton. Sur le colis de Martial. Doudou, il est dessus, là. Pour éviter d'être sur le carrelage, il est sur le carton. Ah, mon... Oui, mon cœur. Non, mais il a faim. Il attend que je lui donne à bouffer.
T'as déjà tout fait? Non. Commence pas à dire des conneries, hein. Si, il l'a fait. Si, si, il l'a fait. C'est tellement rapide que... Ok, ben écoute, va jouer un petit peu aux jeux vidéo, c'est vrai. Va jouer à Big Block un peu. Vu qu'il est tendu à cause de l'orage, donc il peut rien faire. Après, il peut aller se méditationner dans sa chambre aussi. Est-ce que tu... Ah bah il va mieux. Vas-y, alors, va aux toilettes, tu vas finir ton livre. Reprendre l'écriture de prose en rose. Salut la drôlesse, comment tu vas? Oh bah t'as loupé une partie quand même. T'as loupé 1 h 10. Donc, attends. Quand même. J'étais sur une vidéo d'un youtubeur qui présentait ses cadeaux de Noël, il avait reçu un pion d'échecs. Tu peux acheter la récompense chasseur d'orage. Ah bon, ça existe ça? Et ça... Pourquoi? Bah c'est juste pour dépenser ses points. Allez, écris ton deuxième livre là, mon coco, qu'on puisse valider la première étape. Bon, il a un peu d'avance sur l'écriture. Sur le bien-être, bof. Ah, la coupure d'eau. Ah bah direct elle. Ah oh ouais. Il a pas pissé. Pff, comme d'hab. Et après il se plaint. Il a... Je dois y aller. Les Sims. Casse-toi. Va faire le ménage, va faire à bouffer, je sais pas, fais quelque chose. Cuisine. Fait. Ouais, bah, disons qu'elle a du ski. Des haricots saucisses, tiens. Allez, fais-nous plaisir. Ouais, on va le faire que pour elle, peut-être. Oui! Il a terminé son deuxième livre! Allez, tu vas me faire un pipi immédiatement, tout de suite. Puis, tu vas auto-publier sur Amazon. Putain, mais. Ses parents, là! Ils sont relous aussi! Ils sont toujours en train de squatter les salles de bain! Mais wesh! Et si, écrire 5 bons livres. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Tu vas servir le dîner. De macaroni au fromage. Non, parce qu'il reste plein de pâtisseries, mais les pâtisseries. Ah, ben, j'avais pas vu! Elle avait pris pour tout le monde. Ah, oui, Tex. Viens. Allez. Elle avait préparé pour tout le monde. Style de vie en danger. Oh là là. Oh, par contre, c'est dégueulasse. Ah ouais! Ah non, il donne pas envie le plat là. Non, je vais le foutre à la poubelle direct. Hein. Tant pis, hein. C'est du gâchis, hein, de fromage, hein, surtout. Va te coucher, hein, t'as raison. Il a, par contre, il n'a pas fait du tout ses devoirs. Le jour de la loterie était horrible. C'est triste. Il sera plus tendu quand il y aura des orages, au contraire, il sera heureux. Ah ouais. Je l'ai jamais vu cette récompense, moi. Et vous allez faire crac-crac ou quoi? Tiens, loulou. Montre ta petite tête. Regardez sa petite tête de minou. Il est trop mignon. Tu sais que t'es trop mignon? Tu sais, t'as qui est trop mignon. Ça va mieux, mon loulou? Faut qu'il fasse des câlins, c'est que ça va mieux. Cuisine! Bon, il n'a pas fait ses devoirs, et puis après, on est jeudi. Ben, c'est bien. Ah, par contre, il est fatigué et tout, quoi. Enfin, si je le puis prendre une douche, puis ses devoirs, mais il faut qu'il dorme. Ah, mais non, c'est férié! Trop bien. On n'a pas besoin de faire les devoirs, en fait. On va pas avoir... Enfin si, on aura le temps de les faire, quoi. Alors, les gnomes sont là. Tu sais quoi?
quoi, ça a été merveilleux de passer du temps avec toi. Bah, vous êtes de la même famille en même temps. La mouche. Oui. Toi aussi, t'es de la même famille. Oh, elle fait du col, hein, sa maman. Comme c'est mignon. Tu montres, Doudou. Tu montres aux gens. Montre aux abonnés que tu fais du câlin à maman. Moumou. C'est discret. Oh là là, 5 et 4 dollars. Enfin, Simflou, c'est pas des masses. Oh, elle a vieilli. Oh. Va te cacher. Amélie a envoyé un... Qui c'est donc Amélie? Amélie et Julie. Seraient-ce les petits-enfants de Copper? Seraient-ce les enfants de Autumn? Ou de Sunset? Ou de le... J'allais dire de Louis. Non, c'est Autumn, Sunset et... Fox. La vie Berk. Tu fais plus d'anniversaire. Oh ouais, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Déjà, je ne souhaite pas à mes héritiers, alors... J'ai la flemme. Alors, qui c'est donc? Foxy n'a pas d'enfant. Sunset n'a pas d'enfant. Autumn a un petit garçon. Un petit rouquin. Donc on ne sait pas qui sont... Amélie, je sais pas quoi, là, les gamins. Il n'y a plus rien dans l'arbre. Oh, c'est horrible. C'est triste, il n'y a plus rien du tout. Tu t'installes, mon chéri? C'est triste, hein. Mon doudou, faut que tu choisisses, tu viens, tu viens pas, hein. On ne sait pas. C'est peut-être son côté à elle? Ah! C'est bien sûr ses nièces, en fait. Voilà. Oh, tiens, elle en a fait trois coup sur coup. Que Emanuela qui est vieille. J'avoue, l'hécatombe d'un... Ouais, mais c'est triste. Il n'y a plus rien dans l'arbre généalogique, quoi. C'est triste, moi, je trouve. Ah, il est en train de prendre son bain. Regardez. Pour les voyeurs. Trop tard. Alors, tu vas aller manger du prout-prout. Parce qu'il y a du prout-prout. Bah, je l'avais pas mis dans le frigo. Non, mais il n'y a plus de prout-prout. Il aime bien parce qu'il y a toujours quelqu'un qui se fait à bouffer, mais... qui ne mange pas, du coup, bah les gnomes, ils ont dit, ah bah finalement, ça se l'activité se passe dans la cuisine. C'est pour ça qu'ils vont dans la cuisine. Et pas dans la chambre. C'est sa sœur qui a encore fait à bouffer. Après, Tira me faire un pipi. On va voir si... Tu vas retrouver un correspondant, hein. Tu vas discuter, envoyer, écrire une lettre à Bridgeport. On a reçu le courrietos. Corrietas. Está buenos. Está buenas. Et après, il va nous faire... ah, bah, attendez. Ouais, ça pousse. Ouais, tu vas tout vendre, on s'en fout. Donc non. Pas vendre des carottes, vendre tout court. Ah, on n'a pas reçu de nouvelles boîtes aux lettres. Et puis c'est tout, hein, on peut rien faire d'autre. Ok, bon, bah, cool. Bah, tu vas faire du yoga? Allez, vas-y, viens au yoga, mon petit biquet. Qu'est-ce qu'on a reçu? Ah, des jouets. Ah non, je suis triste, je pensais qu'on aurait reçu une carte postale en plus. Je sais pas combien il y en a en tout. Il n'y en a pas, je pense qu'il n'y en aurait pas beaucoup. Salut Nadine, comment tu vas? Voilà. Faites de la place dans votre salon, dans votre chambre. Et on reproduit ce que fait exactement Chamal. Mais moi, je suis là pour commenter, donc je peux pas le faire. Mais, oh, il n'y a plus de tête. Mais vous inquiétez pas, je le ferai après. Minute méditation avec Chamallow, exactement.
méditation, yoga, rentrez le ventre. Il faut que votre nombril rentre à l'intérieur, qu'il touche le dos, votre dos. Il faut vraiment qu'il soit... Moi, je fais pas ça... Pas le temps, je déguste ma tartife. Je fais ça, je me casse le dos direct. Hein, Moumoun ? Je me casse le dos. Oh oui, mon chéri. En plus, c'est bien fait parce que... ils tremblent, en fait, les Sims, quand ils font le yoga. Il y a certaines positions où on les voit trembler. Tu sais que... Enfin, c'est bien foutu, quoi. C'est pas juste... Ils savent tout bien faire tout de suite. Ils galèrent des fois un petit peu quand même, quoi. Donc ça, c'est impossible. J'arrive pas à le faire. Je suis trop lourde. J'ai pas fait la... J'ai pas fait la miniature du jour, dis donc. On va la faire maintenant. Le yoga. Il est beau gosse, hein, quand même. Ça va, hein, franchement, ça va. Hein. Je regarde, je suis résolument tournée vers l'avenir. Il est beau, il est chaud, il a les cheveux roux. Et il sent bon le chamallow. Et oui. Si je le fais, on me retourne aux urgences, c'est ça. Il a des... En fait, il a les yeux plus clairs. Sa sœur, elle a les yeux bleu-vert. Mais je le trouve quand même très très beau. Parce que d'habitude, c'est vrai que je préfère la couleur bleu-vert. Mais ça lui va, ça va super bien avec sa couleur de cheveux, en fait. Donc c'est bien, c'est cool. Sûr que c'est mieux que les yeux marrons. Dans les Sims, oh là là. Pour avoir les cheveux aussi pétants de rose comme ça, avec des yeux marrons dans la vraie vie, aucun problème. C'est ma couleur d'yeux aussi. Bah ouais, bah moi, pas moi, malheureusement. Comme ça. On peut pas tout faire et tout avoir dans la vie. Ils ont quoi avec la bouffe aujourd'hui dans les Sims là, ils font que ça à manger. Après, avec les... Ben, en même temps, Copper, il a passé son temps pendant un certain... très longtemps à faire que des pâtisseries jour et nuit. Donc ils se disent, bah ouais, mais papa, il a arrêté. Ah, bientôt niveau 4. On va accélérer un petit peu parce que bon, on n'a pas que ça à foutre. Et voilà, niveau 4. Il peut proposer des astuces de relaxation mentale et faire la posture de yoga l'arbre. Ça, c'est cool. J'ai l'impression que j'ai un... Si c'est un cheveu qui est cassé les noix, là. On dirait qu'il a une couche quand il écarte les jambes comme ça. On n'avait pas cette impression qu'il a une... Il y a un espace en fait. Et on dirait qu'il du coup il porte une couche. C'est pas logique. C'est zen, hein. On va s'endormir avec lui. J'espère que vous dormirez bien ce soir. Pour être en forme demain. Tous les yeux sont beaux. Ça dépend. T'endors pas. Bah, presque, hein. Elle est encore en train de faire à bouffer, la sœur. Mais elle est complètement starbée. Lui, il est juste bien, il est pas serein. Oh, Jean-Eudes, j'avais oublié, dis donc. Non, non.
Voilà, elle pleure du coup. J'ai dit non, elle ira pas voir son mec, elle pleure. Ou par contre, tu commences à schmoutz, tu schmoutes, mon petit. Alors, vu que tu schmoutes, tu vas te prendre un bain de mousse. Voilà, ça te fera du bien. Tu vas te relaxer. En espérant que tes parents squattent pas d'un coup, parce que. Il va se détendre les muscles tendus du yoga. Ah, si j'avais une baignoire. Ah, si j'avais une baignoire, tout, 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 je chanterais le jour, je chanterais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Je ferais même des lives depuis mon bain. Non, c'est pas vrai. S'il faudrait plus qu'une baignoire, il me faudrait une piscine pour que j'arrive à cacher tout le matos, hein, parce que la vache. Et ben voilà! Bravo, chamallow! C'est pas possible, hein, ces Sims. Casse tout, hein. Et merci, Emeric, pour ton follow et bienvenue à toi! Putain. Allez, tu me nettoies une shot. Ah non, non, mais là, ça va pas du tout. Et tu me mangeras un sandwich BLT crade caca boudin. Alors, elle a fait que des trucs médiocres, Sakura. T'es pas bonne à marier, mademoiselle, hein. Ça ne va pas du tout. Elle est comme moi avec les moucherons. Je les vois, les moucherons. Je les vois. Là, ça va, ça fait un moment qu'ils sont pas venus. C'est bonsoir à toi, Emric. Ouais. Oh, c'est pas bon, hein, comme... J'en ai marre des tapis qui bougent. Je n'ai que ça à dire. Les tapis qui bougent. Donc, depuis l'université, ça fait un an que ça m'assomme et ça me m'irrite les poils. Les tapis qui bougent et que j'embarque à chaque fois, ça me. Ouh. Voilà. Ça te gonfle aussi? Bon, ça va, je suis pas toute seule, alors. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'il socialise. Allez, on va socialiser un petit peu. C'est quoi ce nuage vert? C'est les gnomes qui sont toujours là. Ils se disent, ah! Qui c'est qui veut de la salade entre les deux, hein? J'ai compris, là, vous avez faim. Vous voulez de la salade sale? Ah, merde. Ah, ça va, c'est mangeable, hein. Qu'est-ce de quoi ils se plaignent ces Sims là? J'avoue c'est trop chiant. Ah, on est d'accord. Hein. Résolution de conflit. Bah c'est bien ma biquette. Nenami. Ninama. Enane. Ninana. Nenane. Ça va, c'est un petit sandwich. Bacon, laitue. Tomate. J'ai un petit peu roté, j'avoue. Bacon, laitue, tomate. Tranquille. Oh, Marie, bravo, hein. Enregistre. J'ai mon petit loulou, il a faim. De toute façon, on va arrêter mon cœur. Hein. On va bientôt arrêter le notre berry. Et puis... Ouais, il va aller se coucher, donc on va pouvoir faire ça. Petit point sur les compétences. Écriture 4, bien-être 4. C'est quoi qu'il faut développer pour le travail des affaires? Est-ce que vous le savez ou pas du tout? Parce qu'en vrai, je suis pas sûre de l'avoir déjà faite, cette carrière. Pas de soucis, Adrolès, t'as raison. Charisme, les deux? Putain, mais on vient de le faire le charisme avec Copper. Logique, on est au niveau 2. Charisme 1. Ouais. Mood Night Falls. Allez, ça c'est bon ça. Écrire une lettre à Mood Night Falls. Et tu vas réécrire une lettre à Bridgeport. Il est mort de rien.
Charisme logique. Mais oh, c'est chiant! Ah, bah, t'es en train de faire un discours. Tant qu'à faire, on peut commencer à un peu faire monter. En même temps, on s'en fiche. Hein. Attendez. On s'en fiche en vrai parce que on nous demande de quitter notre job une fois adulte. Donc ça veut dire qu'on fera, on sera pas obligé de monter dans la carrière à faire. Mais bon. On va quand même le faire un peu. On va jouer un peu le truc. Oh, ils ont encore cassé quelque chose. Mais j'en ai marre, ils ont fait que ça, casser des trucs aujourd'hui. Orbe fantomatique. Attends. Ouais, exactement, Marie. Une fois l'âge adulte, en fait, il pourra devenir écrivain. D'après ce que j'ai compris. Merci, Muscat. Donc, en vrai, on s'en fiche de monter dans les affaires, mais bon, voilà. Voilà, niveau 2, super. Et bah, tu vas te coucher, mon petit biquet. Et ce sera bon pour nous. On te retrouvera la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche. Donc, tout un week-end pour monter ses compétences. Et n'hésitez pas à, bien sûr, me mettre dans la galerie. Note Socharley, le hashtag pour partager vos foyers. Des copains et des copines. Vous pouvez déjà mettre, enfin, plutôt des copines pour lui. Jeunes adultes, des belles meufs, hein, pas de yeux marrons. Et des belles meufs, quoi. Et puis, on verra ce que ça donne. Et puis, s'il les rencontre, tout ça. Voilà, voilà, pour savoir si avec qui on va copuler et faire des enfants, et la génération pêche ne dépend que de vous. J'ai un truc dans l'œil, et vous avez remarqué, c'est chiant. Voilà. Alors, je vais enregistrer. Et je vais remercier évidemment YouTube pour avoir regardé cette rediffusion. Tranquille, hein, pour l'instant, ben, on avance un petit peu, même s'il est adolescent. On continue d'avancer tout petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On a déjà 2 cartes postales. Je ne sais pas combien il y en a en tout. Bah, je suis con. On n'a qu'à regarder là-dedans. carte postale. On en a 14. Ah oui. Ah oui, mais moi, je ne vais pas faire ça. Hein. Elles sont toutes rares et c'est complètement aléatoire, en fait. Donc, moi, je ne vais pas faire les animaux de compagnie. Et je vais voir avec Crime si elle les a faites, les animaux de compagnie. Je pense pas. Je me souviens pas qu'elle les ait faites. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 de moins, donc ça fait 7. Bah non. Ah non, parce qu'il compte 14 ici en an. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc en fait, il y en a 14. Ça fait quand même beaucoup, 14. On verra bien ce que ça donne. Et on se retrouve la semaine prochaine. Des gros bisous à vous, YouTube. Merci à Twitch d'avoir été là. À très bientôt. Ciao.